Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on va démarrer, ça fera venir les retardataires. Aujourd'hui, le thème, c'est les relations intergénérationnelles, sujet ô combien important dans la mesure où il traite du vivre ensemble et que l'on peut décliner sur tous les pans de la société. D'ailleurs, si quand j'ai été formée jeune à ces questions-là, on me disait que le meilleur exemple, c'était la solidarité intergénérationnelle dans les complémentaires santé. Est-ce que cette question-là est toujours d'actualité? Je crois que oui, mais peut-être pas dans les mêmes termes. Ceci dit, ce soir, nous avons deux éminents experts qui vont nous parler de ces questions-là. Alors, rapidement, j'ai remarqué qu'après, il y aura une présentation par Françoise Forette, mais j'ai remarqué une chose, c'est que vous, monsieur Albouy, ça se prononce comme ça ? Hein? Non. Très bien, excusez-moi si j'écorche. Vous êtes un spécialiste du risque de la longévité, c'est comme ça qu'on vous voit, que j'ai vu votre présentation. Quand je parle de risque, il y a une certaine longévité à mon expertise. Voilà. Et ensuite, monsieur Ennuyé, vous avez été directeur de services à domicile et de soins pendant plus de 30 ans, donc une expérience qu'on ne peut pas... Voilà, reste très, très respectable. Donc, je pense que le regard croisé avec vous deux et avec l'ensemble de l'expertise de cette rencontre vont nous permettre d'avancer dans notre réflexion qui va nous servir aussi pour nos travaux au CESE. Voilà, donc Madame Forette, vous connaissez nos experts mieux que moi, donc je vous laisse les présenter. Merci beaucoup Madame la Présidente. En effet, nous avons deux orateurs tout à fait remarquables ce soir et qui vont traiter cette question à laquelle l'un et l'autre s'intéressent depuis très longtemps. Alors commençons par Bernard Ennuyeux. Bernard, il a une double formation. Il est d'abord ingénieur de l'ANSSI de Grenoble et il a fait un doctorat en sociologie à l'ESS avec une habilité à diriger des recherches. Donc, il a une double formation à la fois scientifique d'ingénieur et de sociologie, ce qui est assez rare. Mais qui plus est, vous l'avez très bien dit, c'est qu'en plus, il a été directeur pendant 30 ans d'un très important service de maintien à domicile. Alors, moi, je dois dire que quand je regarde les médecins, j'aime pas beaucoup ce que j'appelle les épidémiologistes en chambre, c'est-à-dire les épidémiologistes. Il y en a certains, hein, on en connaît, certains qui n'ont jamais vu de malade et qui ne les voient jamais. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est le sociologue qui a mis les mains dans le cambouis. Et je pense que c'est une de ses grandes qualités. En plus, il a plein d'humour, il est impertinent, il est paradoxal, donc je pense qu'on va se régaler avec lui. On va se régaler aussi avec François-Xavier Albouy, qui lui, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, est économiste, spécialiste de la gestion du risque. Pardon, sur les systèmes de protection sociale et d'assurance. Ces dernières contributions ont porté sur l'étude du vieillissement et l'imprévoyance. Moi, j'aime bien le terme parce que c'est tout à fait ça quand il s'agit de personnes âgées. Et pour notre plus grand bonheur, il vient de rejoindre l'ILC pour contribuer aux recherches sur la longévité et le vieillissement avec nous. Voilà ce que je peux dire, Madame la Présidente, de nos deux orateurs. Et je vous laisse, bien sûr, la parole. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons deux personnes en visio. J'espère qu'elles nous entendent bien.
Bon. On va considérer que oui. Et donc, je crois que vous connaissez un peu la règle du jeu. 20 minutes de présentation. On va peut-être laisser vos deux présentations se dérouler et ensuite on ira au débat. Ou si jamais je sens que le débat est plus brûlant dès la première intervention. Mais comme je suis aussi gardienne du temps, je préfère la première option, c'est-à-dire, voilà. Donc, qui commence ? Monsieur... Oui, monsieur Ennui. Bonjour. Alors, n'ayez pas de soucis parce que je ne l'ai pas écrit sur mon CV, mais je suis un ex-marathonien. Et comme tout bon marathonien, on est phobique du temps et on vit avec son chronomètre. Voilà. Donc, j'ai déclenché mon chrono. 20 minutes. Alors, merci beaucoup à Françoise, merci à Jean-Pierre de m'avoir sollicité parce que par moment, je ne suis pas impertinent, je suis un emmerdeur, je suis un chieur. Voilà. Comme tout bon sociologue qui se respecte parce que je suis un sociologue critique. Et que ça a quand même disparu beaucoup. Ça veut dire, je vous renvoie à Bourdieu, ce qui est, alors il y a Alain Touraine est mort il y a très peu de temps. Il se trouve que vous savez qu'il y avait une grande querelle Bourdieu-Touraine. Moi, je préférais Bourdieu. Je n'ai jamais bien compris ce qu'écrivait Touraine. Je vous le dis au passage. Mais ça ne vous empêche pas de le lire. Alors, je vais vous commenter un article que j'ai fait à la demande d'un organisme de médiation familiale au moment du Covid. Je l'ai sous les yeux, c'est une revue c'est la revue de la médiation familiale qui s'appelle la revue Tiers, et j'ai ce numéro sous les yeux, c'est le numéro de juin 2021, c'est le numéro 30, et il s'appelle Âge, Génération, trois petits points, Sable émouvant, pour discuter sur le sable émouvant. Voilà. Et donc, si vous cherchez cet article que j'ai avec moi, mais Françoise, je pense, le mettra en ligne, je vais vous commenter l'article que j'ai fait sur y a-t-il une fracture des générations ? Si vous voulez, on va voir que c'est un thème qui n'est pas nouveau et qui a ressurgi au moment du Covid, notamment avec un philosophe de renom qui s'appelle Comte Sponville, qui a écrit qu'on avait sacrifié les jeunes aux vieux. Voilà, on a sacrifié les jeunes aux vieux. Et si je vais un peu plus loin, et les médecins de la salle m'excuseront, il y a un médecin, je crois, de Bichat, qui un jour, de grande écoute, a dit que, mon Dieu, au moment des choix en réanimation qui se sont posés, quand les gens avaient plus de 80 ans, c'était du bonus. Sous-entendu, c'était peut-être eux qu'on pouvait éventuellement ne pas brancher les premiers. Je vous laisse réfléchir sur cette question-là. Ça a été dit, hein ? Ça a été dit et connu. Voilà. Donc, est-ce que cette fracture des générations, moi, le titre de mon article, est-ce que c'est un slogan ? Et un slogan, ça marche bien, ou est-ce que c'est un risque réel ? Et en termes de slogan, je vous renverrai, je viens d'en parler, je vous renverrai à Bourdieu dans un de ses premiers articles d'un bouquin qui s'appelle « Questions de sociologie » 1984 aux éditions de Minuit, qui s'appelle « L'art de résister aux paroles ». Et Bourdieu dit, c'est très intéressant, essayons de ne pas parler avec les mots des autres, essayons de parler avec nos mots, c'est ce qu'il appelle « résister aux paroles ». Et il finit en disant les slogans, c'est vraiment le degré zéro de la réflexion. Le slogan, c'est justement pour vous empêcher de réfléchir. Et quand on parle, à mon avis, de fracture des générations, ça dispense de réfléchir si, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une fracture éventuellement ? Et surtout, vous allez voir, qu'est-ce que c'est qu'une génération ? Et vous allez voir que la notion de génération est extrêmement confuse et que j'ai un certain nombre de références, notamment, je pense à un très bon numéro de la revue Alternative économique de 2010, qui disait « la génération, grosso modo, on ne sait pas ce que c'est ». Donc, l'histoire du fossé des générations, c'est assez ancien. Ça date au début des années 1930, avec un sociologue allemand qui s'appelle Karl Mannheim. Ça revient en 70 avec une anthropologue, je crois, si je n'estropie pas sa qualité, qui s'appelle Margaret Mead, qui est assez connue, qui a écrit « Le fossé des générations ». Et surtout, en 2002, on a un sociologue que je déteste cordialement, qui s'appelle Louis Chauvel, qui a écrit « Le destin des générations ». En expliquant que notre génération, moi je parle comme vieux, hein, je suis de fin 44, vous allez vous retrouver quelques-uns, que notre génération avait tout pris pour elle et qu'on avait spolié les plus jeunes. Et cette thèse a fait florès, sauf que c'est très intéressant parce qu'elle a été démolie par quelqu'un que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, qui est un économiste qui s'appelle Hippolyte Dalbis, qui a montré que tout le travail de Chauvel était faux.
Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Il a montré que ce n'était pas vrai et qu'au contraire, les générations les plus récentes avaient plus profité que les anciennes. Sauf que le truc de Chauvel, il a fait florès. Et aussitôt, tout le monde s'est extasié en disant... Et alors, on a eu toute une série à partir de 2005. Je vous épargne pas les titres. Du baby-boom au papy-crack, la France vieillit en laissant à ses enfants la facture. Vous pourrez trouver les auteurs. Il ne fait pas bon être jeune dans un pays vieillissant. Comment financer un monde de vieux ? Dette, alors là, lui, je le connais très bien, hein, c'est André Masson. Dette, retraite, dépendance, un économiste hein, que tu connais bien aussi. Dette, retraite, dépendance, explosion de la dette publique, crainte sur la pérennité des retraites, on se croirait aujourd'hui, envolée du chômage des jeunes, les peurs d'un accroissement des inégalités entre générations n'ont jamais été aussi vives. Texte de 2007. Le contraire. Mais non, mais et avec André, on a eu des discussions passionnées. Il est adorable. Hein, voilà. Donc, voyez tout de suite le slogan hein, les vieux empêchent les jeunes de vivre. Et Comte Sponville réalimente ça. Et alors, Courrier International n'a pas été en reste. Numéro de mai 2020. Coronavirus, la lutte des âges. Alors, vous verrez qu'on est passé de fracture des générations à lutte des âges. Hein, ce qui est quand même une... Si on compte une majorité de seniors parmi les victimes de la pandémie, c'est quand même malheureusement le cas, les plus jeunes payent un lourd tribut au confinement, chômage, récession, va-t-on vers une fracture des générations ? Et on verra tout à l'heure qu'il y a des gens qu'on fait un sondage à charge. Moi, je déteste les sondeurs, parce que de la façon dont vous posez la question, vous avez la réponse. Et la question des sondeurs, c'est « Ne craignez-vous pas dans les temps qui viennent un conflit ?» La réponse attendue est « Oui ». Hein, je suis désolé, je peux vous renvoyer aussi à Bourdieu. Lisez, je disais ce matin, j'étais dans ma fac de médecine, là, et je disais à une jeune étudiante, c'était la soutenance de Master 2, qui avait travaillé sur, c'était très intéressant, elle a travaillé sur ce que les journaux ont écrit sur l'avis 139 du CCNE après, effectivement, tous les débats qu'il y a eu. Comment les journaux se sont emparés, l'avis 139 du CCNE, excusez-moi, c'est sur le fait, est-ce qu'il faut élargir la loi de Claeys-Leonetti 2016. Voilà, je suis dans une fac de médecine sur l'éthique et donc on parle de ça. Et cette jeune étudiante ce matin, je lui disais, dans votre biblio, il manque une référence principale, Bourdieu, comment on fabrique l'opinion publique. L'opinion publique n'existe pas, article Princeps, toujours dans le même bouquin, question de sociologie, l'opinion publique n'existe pas, elle se fabrique. Et l'opinion publique, elle se fabrique à coups de sondages pourris. Je suis désolé. Hein, voilà. Et vous en avez tous les jours si vous suivez quelques bonnes télévisions. Bon, que je ne suis plus depuis que je suis dans ma campagne nivernaise, j'ai jamais eu la télé et j'ai le bonheur de ne pas avoir besoin d'ouvrir la télé. Au fait, c'est quoi une génération ? La question, c'est ça. S'il y a fracture des générations, ça semblerait qu'on sait définir une génération. Et vous avez des gens, alors j'ai cité tout à l'heure Alternative économique, numéro hors série de 2010, si vous le trouvez. La notion de génération peut s'entendre d'au moins quatre manières, familiale, démographique, sociale, politique ou historique. On est déjà bien. Du point de vue de familial, la génération permet de situer les individus dans une lignée par rapport à leurs parents. Vous êtes la première, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, on sait qu'on a des familles à cinq générations, avec des gens qui ont des arrière-arrière-petits-fils. C'est relativement nouveau. On était maintenant jusqu'à quatre. On va jusqu'à cinq générations. Deuxième niveau, ça peut être du point de vue démographique, une génération, et c'est plutôt la définition classique, qui sont nés au même moment. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nés au même moment et qu'ils ont vécu les mêmes événements qu'ils forment une génération homogène. On va voir que le grand débat des sociologues, c'est que la notion de génération, elle est profondément inhomogène. Hein, voilà, comme les vieux. Hein, je vous passe que les 18 millions de personnes âgées, c'est ce qui m'horrifie moi tous les jours. Vous savez que l'INSEE dit qu'on est personnes âgées à 60 ans en France. Il y a 18 millions de personnes. Il n'y a pas plus hétérogène que cette population. Pour autant, vous avez des politiques publiques qui continuent à enfoncer les personnes âgées dans leur vision déficitaire et tout ça. Ça, c'est mon sujet habituel de courroux. Et je continue à gueuler contre ça. Mais Françoise, tu as souvent pris le relais. On est bien d'accord. Donc, voyez, point de vue familial, point de vue démographique, du point de vue politique ou historique, la génération renvoie un groupe d'individus sensiblement du même âge qui ont vécu les mêmes événements. L'exemple classique, c'est la guerre d'Algérie. Mais moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie, j'étais en première. J'avais des copains qui étaient collés au bac, qui sont partis, ils ont été appelés au contingent. Hein. Donc, et en même temps, il y avait des gens de toute génération qui étaient impliqués. La guerre d'Algérie a concerné plein de générations. Et quand on parle de la génération de la guerre d'Algérie, j'aimerais savoir de quoi on parle. Et si vous lisez le numéro 1, qui est un très bon petit journal, il y a eu au moment du Covid un numéro 1
sur une sociologue qui s'appelle Anne Luxel, qui a démontré fort justement qu'on ne pouvait pas parler de génération Covid. Parce que le Covid a touché tout le monde, et vous le savez très bien. Hein, on voit aujourd'hui, par exemple, moi j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas très longtemps avec l'école de santé publique de Rennes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'isolement n'a pas concerné majoritairement les plus de 75 ans. Les études ont montré que l'isolement avait concerné prioritairement les gens de 30 à 40 ans et particulièrement les jeunes femmes qui encombrent aujourd'hui les consultations psychiatriques. C'est extrêmement intéressant de voir que ce n'est pas là où on pensait que l'isolement. Et Hervé Lebras a eu ce truc remarquable. Il a montré que finalement, les personnes âgées étant plus souvent isolées avaient eu plus de place en matière d'habitat que les gens plus jeunes qui se trouvaient confinés à quatre dans un deux pièces. C'est un truc de Hervé Lebras, je pense que vous savez, c'est un démographe. Donc, voyez, la génération peut combiner, pour ne pas faire simple, elle désigne un groupe d'individus définis par l'âge et caractérisés par une expérience historique commune. C'est ce que je viens de dire. Mais le Covid, finalement, il a touché toutes les générations. Est-ce qu'on saura dans 5-10 ans s'il a touché plus certaines générations? J'en sais rien. Alors, pour faire plus compliqué, vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de noms. Alors, notre génération, c'est les baby-boomers. Jusque-là, ça va bien. La génération suivante, c'est la génération X, appelée « bove génération », donc les gens qui sont nés en 1960. Je ne sais pas trop pourquoi. La génération Y, c'est ce qu'on appelle les millénioles. Ça veut dire que c'est les gens qui sont nés en 80. Et aujourd'hui, si vous voulez être branché, alors Y, c'est la génération des iPods. Hein, Y, voilà, c'est pour ça. Ça aurait pourquoi. La génération Z, comme Zoomer, née à la fin des années 2000. Donc, cherchez où vous êtes, appelez aussi l'i-génération. Donc, voyez très rapidement, et je vais citer Bourdieu, parce que finalement, c'est quand même lui, il dit que c'est par un abus de langage formidable que l'on peut subsumer sous le même concept des univers sociaux qui n'ont pratiquement rien de commun. Ça veut dire que quand on prétend qu'il y a une génération Z, X, Y, on suppose une homogénéité et Bourdieu, à juste titre, dit que ce n'est pas vrai. Parce que vous avez des citadins, vous avez des ruraux, vous avez des gens, si on prend la génération des 15-25 ans, vous avez effectivement les décrocheurs, environ 200 000. Vous avez tous les gens qui sont diplômés, qui sont déjà à l'emploi. Vous avez tous les gens qui sont à la fac. Comment ? Vous avez les gens qui ont des parents riches, il y a ceux qui ont des parents roses, qui ont des parents pauvres. Donc, on voit bien que cette notion d'homogénéité que j'ai dénoncé dans le groupe personnes âgées, dans la génération, elle est aussi vraie dans toutes les générations. Vous n'auriez retenu que ça, vous êtes déjà pas mal tiré d'affaire. Le marathonien regarde où il en est. Ah ben ouais, non, parce que si je perds mon chronomètre, voilà, 12 minutes, ça passe vite le temps. Donc, première critique, la confusion entre la notion d'âge et de génération. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que les générations vivent les choses, mais elles ne les vivent pas au même âge. Si je prends un exemple, si on prend un peu les anciens temps, on regarde, par exemple, l'âge du premier enfant. L'âge du premier enfant, il y a 30 ou 40 ans, si je ne raconte pas de conneries, pour les femmes, c'était 24-25 ans. Aujourd'hui, c'est 29 ans. L'âge du mariage, aujourd'hui, il y a des gens qui se remarient à 40, 50, 70, 80. Ça veut dire qu'il y a un brouillage complet des repères de génération, ce qui fait qu'on ne peut plus dire, on ne peut plus avoir les repères qu'on avait avant. Avant, c'était simple, comme dire Anne-Marie Guillemard, c'était triptyque. On se formait, on bossait, on était en retraite. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à bosser tardivement, il y a des gens qui commencent à prendre des années sabbatiques, notamment les plus jeunes générations, je parle de mes petits-enfants, en disant on aura bien le temps de travailler plus tard, et on va commencer par prendre du bon temps, ça toujours ça de prix, et je ne peux que les suivre sur ce point de vue-là. Donc voyez bien comment il y a ce qu'Anne-Marie Guillemard appelle un brouillage des âges et des générations. Ça nous fait une belle jambe le brouillage, parce que là-dedans, comment tu t'y retrouves? Ce que je voudrais, je vais donner la main après à François-Xavier. Ce qui a été démontré, c'est que à l'intérieur d'une génération, il y a plus d'inégalités qu'il n'y en a entre les pseudo-générations. Inégalité de salaire, inégalité. Alors moi j'aime beaucoup. Hein, on est dans un monde encore, je pense, à François et à Jean-Pierre. Je fréquente beaucoup les médecins depuis quelques temps. Là, ce matin, j'étais qu'avec des médecins à qui je dis qu'ils ont été très très mal formés et que vraiment ils ont besoin de sociologie pour sortir un peu de leur formatage en QCM. Bon, ça c'est gentil, Françoise. Et je pense à Didier Fassin.
lisez absolument le discours de Didier Fassin au Collège de France en 2019 sur l'inégalité des vies. L'inégalité des vies. Et dès qu'on parle de génération, on est profondément sur des inégalités de parcours de vie, inégalités de chance. Là, j'étais ce matin avec un de mes copains réanimateurs qui est en retraite maintenant à Necker, Marcel Louis. Il s'occupait des gamins qui commencent leur vie en difficulté. Les gamins qui vont à Necker, ils commencent leur vie en difficulté. Ça veut dire que vous avez des gens qui, dès les premiers mois de leur vie, sont déjà profondément en difficulté, en situation de handicap, ce qui va les poursuivre toute leur vie. Donc, voyez, quelques éléments de synthèse sur cette notion de flou. Bon, ben effectivement, il n'y a pas d'homogénéité. Et prendre, alors je vais finir par citer Morin, hein, que j'aime beaucoup, c'est intéressant de voir que ce conflit des générations est ressorti au moment du Covid. Au moment du Covid, il a fallu trouver des responsables. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a commencé à attaquer la ministre de la Santé, comme il se doit. Ensuite, on a attaqué, comme au moment de la canicule, hein, si vous prenez la canicule de 2003, j'ai lu un papier là-dessus, on a commencé à dire que les généralistes n'étaient pas là, qu'ils étaient partis en vacances, que les familles n'étaient pas là. Il faut un bouc émissaire. Et comme dit Morin, dans une crise qui nous dépasse tous, les gens qui proposent un simplisme, ils sont accueillis comme étant intelligents. Et donc, il suffit que quelqu'un dise « ça va mal dans le Covid parce que les vieux sont trop nombreux et qui continuent à vivre et qui nous font chier ». Et donc, du coup, tout le monde a acquiescé. Et c'est ce que Morin dit, il apparaît que les modes simplificateurs de connaissance mutilent plus qu'ils n'expriment les réalités ou les phénomènes dont ils rendent compte et produisent plus d'aveuglement que d'élucidation. Ça, c'est l'introduction à la complexité de Morin que je vous invite vraiment à lire. Voilà, je vous ai dit le principal, hein, et puis on pourra en discuter. Merci beaucoup. 16 minutes. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Bravo Bernard, c'est assez difficile avec ton énergie de réagir après toi. Grosso modo, on est assez d'accord sur beaucoup de choses que tu as dites. C'est le conflit des générations, c'est plutôt des titres de presse et de presse sensationnelle qu'une autre réalité. Et la probabilité qu'il y ait un conflit des générations est faible ou nulle. Et pour moi, je trouve qu'on est plutôt dans une période de fixisme absolu. Et j'en veux pour preuve, si vous voyez, ce qui a marqué la génération de 68, c'est la musique, c'est l'émergence du rock et de la pop. Avant de Johnny Hallyday, quand même, bon, peu importe. Mais sur 30 ou 40 ans, ça n'a pas bougé. C'est le hip-hop et le rap qui dominent. Alors, il y a des nuances, mais ce n'est pas des nuances totalement signifiantes. D'où ça vient ce concept pour moi? Alors, ce n'est pas un concept économique du tout. Tu as bien souligné les zones imprécises qui y avait autour de ce concept. Ça vient plutôt de considérations à l'origine, mais démographiques et peut-être psychologiques. Démographique, il y avait un démographe qui s'appelait Easterlin, qui a été assez célèbre, il a essayé des théorèmes, mais dans un de ses plus vieux papiers, il avait émis l'hypothèse qu'il y aurait en fait des générations pleines et des générations creuses. C'était des années 62, mais la génération creuse, c'était les années 30. Donc, et que les générations pleines, en quelque sorte, elles avaient tendance à prendre le pouvoir dans tous les domaines. Et que les générations creuses étaient, elles, beaucoup plus respectueuses de la tradition et de l'expérience des anciens. Et il est vrai que la génération pleine des 68ards, tant décriée par la suite, ben, ont pris le pouvoir dès la maternelle, à l'école, puis à l'université, ont changé le monde du travail, ont profondément modifié les mondes des lettres et des arts, le cinéma et ainsi de suite. Et on arrive à un moment aujourd'hui où elle continue un peu à influencer le débat public sur les retraites. Mais comme la génération des actifs est creuse, ce combat est un peu le chant du cygne dans des sables émouvants du débat sur les retraites et est en train de se terminer, je crois, en tout cas au sens d'Easterlin. Parce que contrairement à 1968, il n'y a pas de génération pleine qui pousse à la roue. Il y a au contraire des générations creuses. Et il n'y a plus non plus, comme tu l'as noté, trois générations, mais quatre ou cinq ensemble. Donc le conflit devient quand même extraordinairement compliqué.
Et ça le rend improbable. Et ce d'autant, comme l'a souligné un très grand philosophe, Francis Blanche, et ce d'autant que les petits-enfants et les grands-enfants sont complices parce que les enfants ne prennent pas la vie au sérieux et les grands-parents ont tendance à considérer qu'effectivement, elle n'est pas si sérieuse que cela. Et cette complicité est quand même très émouvante, pour reprendre ton terme. Le conflit des générations est aussi psychologique, je crois. C'est cette idée de dire on ne se pose qu'en s'opposant. C'est le meurtre du père de la psychologie bas de gamme, etc. Mais dans ce meurtre symbolique du père, il y aurait quelque chose de nécessaire pour devenir soi-même un père ou une mère. On ne se pose qu'en s'opposant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on remarque. Enfin, moi, je trouve que c'est collectivement pas quelque chose qu'on remarque, parce qu'aujourd'hui, les différences sont très minimes. Toutes les générations participent et communient dans une même préoccupation sur le climat, un pessimisme généralisé, un sentiment d'apocalypse diffuse. Les valeurs évoluent très lentement et ne montrent pas de rupture. J'en veux pour preuve les jeunes femmes qui sont féministes, et elles ont raison de l'être, mais leur discours n'est pas fondamentalement très différent de celui que tenait leur mère, voire même leur grand-mère. Et ça change pas, finalement. C'est un peu toujours le même discours. Ça ne veut pas dire qu'il est injustifié. Il y a peut-être un autre concept freudien qu'on pourrait convoquer, qui est celui du narcissisme des petites différences. Vous vous souvenez peut-être, c'est Freud explique par là les luttes et les oppositions violentes dans des groupes qui sont, vus de l'extérieur, extrêmement proches et qui ne devraient pas les amateurs de football qui s'affrontent pour un club ou pour un autre, mais ils sont exactement les mêmes, ou les tenants d'une religion et à l'intérieur de cette religion qui s'affrontent, et Dieu sait si ça peut être, et dans l'histoire et dans la géographie aujourd'hui, quelque chose d'absolument dramatique. Le narcissisme des petites différences, c'est aussi les querelles intestines à la majorité ou à l'opposition, qui sont parfois plus vives que les querelles entre la majorité et l'opposition. Enfin, on a toutes sortes d'exemples comme ça. Donc, bon, voilà, on peut peut-être un peu se méfier et de dire que ce n'est pas parce qu'il y a de grandes ruptures qu'il n'y a pas quand même des ferments d'affrontement, de conflits ou de différenciation. Ça, c'est un premier point. Alors, il a été très, très, très convoqué, ce thème un peu banal du conflit entre générations à propos du Covid. Je passe là-dessus. Il est aujourd'hui convoqué à propos du travail. Et on s'étonne que, finalement, les jeunes qui rentrent dans... Alors, il n'y a pas qu'en France, c'est dans le monde entier, ce truc-là. C'est absolument dans le monde entier. Et on s'étonne, on reproche en quelque sorte aux jeunes d'être moins engagés, d'être moins motivés que leurs aînés, de ne pas entrer avec énergie dans la carrière. Et de vouloir faire valoir leurs droits avant d'avoir fait montre de leur valeur. Et puisque c'est... Enfin, il faut s'en préoccuper parce que tout le monde en parle. Il y a ainsi une enquête aux États-Unis qui a été menée par EY, là, le cabinet de consultants, auprès de 1300 entreprises. Alors, je vais t'énerver, mais alors, c'est vrai, on est dans le monde de la génération Z. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il y a après la génération Z. C'est la génération double A, comme les voitures, les immatriculations, et qui montre que 49% des managers trouvent très difficile de travailler avec la génération Z et lui reprochent des faiblesses de compétences techniques et une absence d'effort, de motivation et de très graves lacunes en communication. C'est étonnant. Enfin, c'est un constat qui est encore une fois assez international. Alors, on peut dire que c'est le résultat de la pandémie, de la télééducation, du télétravail et de l'embauche en télétravail. Il y a des gamins qui sont rentrés dans les entreprises et qui n'ont vu personne pendant 2 ans. Enfin, Mais pas seulement, c'est peut-être aussi le résultat d'une autre ancienne du débat public qui est assez, parfois assez énervante, qui est la dégradation de l'éducation et de la dévalorisation des diplômes. C'est quand même étonnant que des managers de toutes sortes d'entreprises, de services industriels, de tous les domaines, disent « mais leurs compétences techniques sont beaucoup plus faibles ». Et un autre constat qui est un peu plus inquiétant est que cette génération est dépressive et qu'elle est fragile et que c'est probablement l'effet du télétravail. Et donc, il est paradoxal, l'effet du télétravail. D'un côté, c'est travailler à distance,
ça évite les temps de transport, ça permet de travailler à la campagne, c'est vraiment le rêve absolu de l'urbain post-moderne, d'une société post-industrielle. Mais d'un autre côté, il laisse les gens quand même un peu seuls, et isolés et désemparés, et incapables de gérer le stress en discutant avec les collègues, toutes ces petites psychothérapies du quotidien constituent la cantine, la machine à café, le bistrot, etc. Incapable de décharger ça. Il n'y a pas peut-être que... Moi, je suis un énorme admirateur de Hervé Lebrun. Il n'y a peut-être pas seulement les conditions de logement. Il y a aussi les conditions d'interaction qui sont importantes. Mais pour autant, je crois qu'il ne faudrait pas voir là-dedans le signe, un marqueur d'une génération qui serait paresseuse. Et beaucoup de managers, les mêmes managers, soulignent les qualités de ces jeunes en termes d'adaptabilité, de créativité et l'importance qu'ils ont de manière collective de la responsabilité sociale et éthique. Donc ça, c'est bien pour le master d'éthique de Paris-Cité. Bref, il y a quelque chose qui se passe dans le monde du travail et c'est assez difficile de l'expliciter rapidement. Alors, il faut voir qu'il y a quand même des choses qu'on peut remarquer. D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui ont vu les carrières de leurs parents qui ont été très heurtées et ont un peu de mal, sans hypocrisie, à développer un sentiment immédiatement d'attachement à l'entreprise. Et ce, d'autant plus que c'est plus dans les périodes récentes, c'est plutôt l'infidélité du capital qui a fait du mal aux entreprises que l'infidélité de leur main-d'œuvre. Et donc, il n'y a pas là quelque chose qui me paraît totalement étonnant. Par ailleurs, les valeurs des entreprises et le sens, c'est en gros assez souvent un discours extrêmement artificiel, des postures qui sont construites et ça ne relève pas d'une mise en ordre pour un combat commun. Enfin, la mise en cause des entreprises sur le climat et ainsi de suite n'incite guère à sortir d'une attitude utilitariste et consumériste et à d'abord demander « mais quels sont mes droits ?» Mais en fait, est-ce que tout cela est très différent de ce que disaient les jeunes dans les années 70 ? Souvenez-vous, dans les années 70, remettaient radicalement en cause la notion de profit. Et tout le monde était atterré, parce que comment on allait faire s'ils remettent en cause la notion de profit, etc. Bon, comme le mal absolu. Ça n'a pas empêché cette génération de sortir du statut de hippie pour faire des boîtes de technologie en Californie, qui sont remarquables, mais dont on peut quand même remarquer qu'elles ne se caractérisent pas par une socialisation immédiatement des profits. C'est pas immédiatement dans le truc. Donc il y a eu une contradiction. Donc on peut très bien penser que cette génération qui finalement est contre la croissance, il nous dit qu'il faut arrêter avec beaucoup de véhémence et dans une posture de stagnation presque un peu janséniste et autoritaire, ce ne les empêchera pas d'alimenter une croissance peut-être plus verte et plus durable. En tout cas, on peut le souhaiter, et on ne peut que le souhaiter, et de cette évolution. Donc, je ne vois pas non plus là quelque chose de très... C'est original, par rapport à... Ce n'est pas non plus la fin du monde. C'est peut-être la fin d'un monde. Et il y a un dernier point sur cet aspect du travail et du marché du travail et de l'emploi, c'est que tous ces jeunes, alors là, tout le monde est unanime, et eux-mêmes et leurs managers, ils ont besoin de plus de formation en début de carrière que leurs aînés. Ça doit nous interpeller, parce que ça veut dire que tous les efforts qu'on met en place sur l'éducation, un, ne sont pas suffisants, et qu'il faut les poursuivre dans le monde de l'entreprise, et que c'est essentiel au fonctionnement du système. Et en fait, on passe d'une génération qui était marquée peut-être par le chômage et la rareté du travail à une génération qui est marquée par la crise globale et climatique et la rareté du sens. Et on n'est pas dans une rupture qui ferait que... voilà. Alors après, il y a un autre sujet qui est très débattu. Je vais aller peut-être très vite parce que, contrairement à mon voisin, je n'ai pas trop surveillé le temps, mais je vais essayer d'aller assez vite, c'est l'énorme problème de l'équité entre les générations. Alors ça, c'est vraiment, Tacite et Chauvel, etc., ça, c'est vraiment un débat tarte à la crème, c'est on essaye de mesurer quelle génération a profité ou pas. Tu as mentionné la guerre d'Algérie, bon, c'est vrai que la génération qui était trop jeune pour faire la guerre d'Algérie a connu la croissance, etc., a été beaucoup plus, en termes de cycle de vie, bénéficiaire de ça. Bon, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a dit ça ? Donc, je vais pas m'apesantir sur ce sujet et je vais avancer un peu.
Et il faut toujours pondérer énormément tous ces discours un peu démagogiques qui visent à dire mais il y a une énorme dette, on laisse aux générations futures une dette qui est énorme, etc. C'est un blabla sur lequel je ne crois pas, parce que ça voudrait dire que tous les vieux sont des rentiers accaparateurs et qui nous laissent finalement un monde extrêmement pollué, endetté, et qui laissent les autres se débrouiller. C'était un peu le sens du mouvement OK Boomer à un moment. Mais ça, c'est des fadaises, parce que les vieux, et c'est ce que tu as remarqué, il y a des problèmes intragénérationnels. Et beaucoup de vieux, entre guillemets, ben, sont touchés par la rareté du travail pour les seniors, et pas qu'en France, dans beaucoup de pays, parce que dans les pays où on part plus tard en retraite, mais en fait, on est payé moins, et on travaille à mi-temps ou à quart de temps. Donc, il y a quand même une rareté globale du travail pour les générations âgées. Et puis, ils sont touchés aussi par la dépendance, soit pour leurs parents, soit pour eux-mêmes. Et la dépendance est une charge très, très lourde qui n'existait pas, enfin, qui est quelque chose qui est une bonne nouvelle paradoxale de la longévité. Et donc, on a là un discours qui paraît être un peu simple. Et puis, il oublie un truc important qui est l'altruisme au sein des familles. C'est-à-dire que dans tout ce mouvement terrible, etc., si un mouvement de conflit entre générations n'arrive pas à prendre, c'est finalement qu'il y a une formidable machine à absorber les chocs entre les générations, qui est la famille. Et le problème qu'on a, et là il faut revenir peut-être aux sociologues, ce que je ne ferai pas en ta présence d'ailleurs, mais c'est que la famille, c'est une catégorie mais très compliquée pour la politique économique et sociale, parce qu'elle reproduit les inégalités. Donc, et comme toute notre protection sociale en France et ailleurs est construite sur l'idée qu'il faut redistribuer et répartir un peu les revenus, la famille est vraiment quelque chose qui nous semble très difficile. Bon, puis je passe sur le fait que dans l'histoire, les parangons de la famille n'ont pas toujours été très sympathiques, quoi. Enfin, mais passons là-dessus. Donc, je passe sur l'idée des machins, mais il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est cette histoire de famille, qui sont très, 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 très importantes et qui devraient beaucoup plus nous occuper. Ou en tout cas, si l'État veut être le garant du contrat entre les générations, c'est moins sur la dette publique, j'y reviendrai, c'est très important la dette publique, mais c'est moins sur la dette publique qui doit être attentif, mais c'est plutôt dans la protection des familles, même si le terme est un peu galvaudé, et la protection des familles, quel que soit leur niveau de revenus et de sécurité. Bien, et puis, ben alors, autre chose, donc il y a André Masson, on en parlait, qui est économiste, puis il y a un autre économiste qui s'appelle Andrew Mason. Ça, c'est quand même marrant, qui ont travaillé sur ces sujets-là. Je ne sais pas s'il y a un André Masson, mais je ne le connais pas, qui aurait travaillé sur le sujet, mais Andrew Mason, qui est vraiment le ponte de la réflexion des NTA, c'est-à-dire de la comptabilité des transferts publics. Et qui analyse les générations et qui a une réflexion très mature sur le vieillissement et le phénomène du vieillissement. Il vient de terminer un énorme survey dont je vais vous donner rapidement les conclusions parce qu'elles sont intéressantes. Alors, il dit quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'il faut rappeler, c'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle, ben, tous les pays du monde ont connu une évolution à peu près comparable, qui est celle du baby-boom. Et que ce baby-boom a permis un énorme gain de croissance, d'autant plus qu'il a coïncidé très vite, quand les gens sont arrivés dans la période active, avec un ralentissement des naissances. Donc c'était une période où finalement il y avait beaucoup d'actifs, plus tout à fait autant d'enfants, et pas encore un raz-de-marée de seniors. Et le monde, à part en Afrique, où on n'a pas arrêter de faire des enfants à cette époque-là, le monde entier a connu une période de croissance énorme. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir de maintenant, des années 2000, ben, tous les pays suivent des chemins un peu différents. Et la croissance de la population active est concentrée ben, dans les pays à très faible revenu, qui devraient voir leur croissance économique de ce fait augmenter, et que dans les pays riches ou à revenus intermédiaires élevés, ben, la croissance démographique n'est plus là et il n'y aura pas, il ne faut pas s'attendre à de croissance économique, et c'est le thème de la croissance faible, de la fin de la croissance.
Et alors, il nous dit aussi que dans le monde, la population va quand même augmenter de 30% entre maintenant et 2060. Pas négligeable. Mais au lieu d'y voir un signe d'apocalypse, c'est cette croissance de la population qui va amener dans ces pays pauvres une croissance économique globale et qui, même sans qu'on compte sur les gains de productivité qui ne manqueront pas d'arriver, devrait leur permettre de réduire la pression environnementale ou au moins de la contenir. Et d'après les modèles qu'il fait tourner, ça marche assez bien. C'est-à-dire que, bon. Et alors, quelle autre conséquence importante en termes générationnels du vieillissement ? Ben, il montre que toutes les études qu'on fait dans tous les pays, etc., la génération qui va être la plus affectée, c'est le pouvoir d'achat des jeunes actifs, mais pas celui des jeunes enfants. C'est le pouvoir d'achat des jeunes actifs qui va en pâtir. Et que les conséquences du vieillissement seront très difficiles à imaginer et à anticiper, mais qu'elles seront différentes suivant les pays et en fonction de la quantité d'épargne que les actifs auront accumulée pour financer leurs vieux jours sans le faire peser sur les générations futures. Donc c'est quand même assez solennel, quelque chose qui doit nous alerter. Autant de cette histoire de dette n'est pas la raison absolue de la fin du monde, autant on a quand même un problème qui est important. Et ça, c'est important pour moi parce que toutes ces études montrent que ça ne sert à rien d'être dans le pessimisme ambiant. On peut finalement essayer de s'en sortir et à la fois absorber l'augmentation de la population mondiale et le choc climatique si on s'en donne les moyens. Et d'ailleurs, en Allemagne et en Chine, tous les modèles économiques de long terme, de croissance, sont tous des modèles qui prennent comme premier critère l'éducation, l'augmentation des capacités des juniors. Et c'est et ce sera ma conclusion, qu'est-ce que l'on peut faire ? Il y a trois choses qu'on peut faire. Un, renforcer considérablement l'éducation, l'accès à l'éducation, et augmenter la qualité de l'éducation. Alors bon, il y a un petit débat, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et c'est le seul moyen de retrouver un peu de productivité du travail pour absorber le choc du vieillissement. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de solution miracle. On pourra en débattre, par exemple, de savoir s'il faut être effrayé de l'intelligence artificielle ou au contraire, accompagner les générations qui viennent au maniement, peut-être en la maîtrisant, mais au maniement de l'intelligence artificielle. Et je me méfie beaucoup des prophètes de malheur qui sont les inventeurs, parce que je vois dans leur attitude soit un disclaimer juridique global, soit un marketing paradoxal qui est, de toute manière, l'intelligence artificielle est là. On l'a dans tous nos outils. Les algorithmes ne sont pas si compliqués que ça. C'est quelques centaines de lignes de code et ça va forcément exploser. Et ça, on peut en débattre parce que c'est un sujet qui est vraiment... Alors, une deuxième politique, c'est André Masson. Le revoilà, ce n'est pas Andrew Mason, c'est André Masson. Il sort un bouquin au PUF là, dans les jours qui viennent. Et lui, il a cette idée, c'est assez marrant, il part de l'héritage. Et il constate que c'est impossible de fiscaliser l'héritage. On ne peut pas taxer l'héritage parce que, pour des tas de raisons politiques, il y a une résistance qui est très forte, il n'y a pas moyen d'y arriver, etc. Et que donc le thème de l'égalité des chances, etc., est un thème qui ne tient pas par rapport à... Et alors, il propose, c'est assez astucieux, de faire finalement des produits financiers transgénérationnels. C'est-à-dire de proposer à des gens qui ont un peu ou beaucoup de fortune, de placer sur des comptes qui sont bloqués peut-être pendant 30 ou 40 ans, mais qui pourront être transmis sans frais à leurs enfants ou leurs petits-enfants, et... Une des expressions favorites d'André, c'est de dire « il ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière ». Et il a peut-être pas totalement tort, et qui pourrait être investi sur de la croissance à long terme, c'est-à-dire sur de l'éducation et de la transition écologique. Et dans les questions de longévité qui nous intéressent à l'ILC, mais aussi dans d'autres cercles, c'est peut-être là-dessus qu'on doit réfléchir. Comment mettre en place ces produits transgénérationnels ? Et il faut les architecturer, que l'offre soit sympathique. Mais il y a quelque chose d'assez sain à cette réflexion, je trouve. Donc, éducation transgénérationnelle. Et puis, on prend la troisième, tu as eu la gentillesse de souligner l'imprévoyance. Elle est massive en France, l'imprévoyance. C'est entre 15 et 20 milliards qui manquent au régime de prévoyance, en général.
C'est ce qui fait qu'en France, et par rapport à d'autres pays, le statut du handicap est misérable. Pas misérable parce qu'on fait beaucoup de choses, mais relève toujours un peu de l'associatif, du charitable, enfin, de quelque chose qui n'est pas naturel. Et quand vous regardez pourquoi, ben c'est la différence des régimes de prévoyance. Alors pourquoi c'est compliqué, ben c'est l'histoire du marché du temps. Enfin, c'est l'histoire de la législation sur le travail et puis le poids des partenaires sociaux sur l'évolution des marchés d'assurance et de protection sociale. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui interagissent là-dessus, mais il me semble absolument essentiel de moderniser le marché de la prévoyance, de l'élargir à la couverture de la dépendance et d'en faire un produit phare pour la protection des familles et des différentes générations de la famille. Ça me paraît aussi un des thèmes les plus importants concernant la longévité. Un, éducation. Deux, investissement à très long terme dans de la croissance future avec beaucoup d'optimisme. Et trois, une couverture immédiate et beaucoup plus massive que ce qui est fait aujourd'hui des familles contre les aléas et les accidents de la vie. Avec Jean-Pierre, on connaît bien. Mais voilà. Donc, l'imprévoyance, c'est parce qu'avec des amis, on avait calculé le manque de couverture des régimes de prévoyance en disant, ben voilà, quelqu'un qui est orphelin, combien il devrait recevoir, ou quelqu'un qui est frappé par un handicap ou une maladie grave ou la dépendance de ses parents, combien il devrait, et on a été très parcimonieux et très économe, on est quand même arrivé, il manque entre 15 et 20 milliards. C'est quand même pas de la, petite bibine, quoi. C'est pas non plus inaccessible. Ça veut dire qu'il faut augmenter une fois et demie les cotisations du marché actuel. On n'est pas non plus dans quelque chose qui est une utopie construite, mais pour des tas de raisons, c'est un risque qui est mal aimé parce que d'abord personne n'y comprend rien, et ensuite qui le terme de prévoyance est très rébarbatif. Quoi. On n'a pas envie de s'intéresser à ces choses-là. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, j'espère que je n'aurai pas été un prévoyant au point de dépasser trop mon temps de parole. Du tout. Merci. Merci à vous. Vous avez remarqué dans mon introduction que la question de la prévoyance était un sujet peut-être prioritaire pour moi, dans la mesure où, dans cette maison, on va entamer des travaux sur le financement de la perte d'autonomie et en septembre. Et ensuite, y compris par rapport à toutes les questions de génération et puis de démographie qui sont devant nous, qui se vivent, les systèmes, par exemple, de solidarité, et je pense, par exemple, aux complémentaires qui, il y a 30 ans, il y avait un taux, en fait, on payait selon nos moyens et on recevait selon nos besoins. Les besoins, évidemment, étaient beaucoup plus on avançait à l'âge. Bon, par les questions de population et du monde du travail, on se retrouve parfois dans des situations inverses où il y a moins de financeurs dans la vie active et plus de retraités et donc de gens qui ont des besoins à long terme et donc cette solidarité aussi là est interrogée. Ceci dit, je vais laisser la place aux questions. Peut-être que Madame Forêt, vous voulez rajouter ou alors on passe directement aux questions. Donc, comme la première question a déjà été posée, la deuxième, c'est quoi? Qui se lance? Voilà, je pense finalement, on a l'impression, à vous entendre, que cette guerre de génération dont on parlait beaucoup il y a une dizaine d'années, elle s'est apaisée quand même plus ou moins spontanément. Alors, il y a des économistes, nous les connaissons bien, qui, eux, sont totalement en faveur de cette guerre de génération, et en particulier sur le plan financier. Alors, vous l'avez souligné tous les deux. Mais on a l'impression que depuis qu'il y a finalement une baisse du chômage, parce qu'elle existe la baisse du chômage,
le fait que les jeunes entrent un petit peu plus facilement sur le monde du travail. Les vieux, eux, sont sortis du monde du travail comme d'habitude. On a l'impression que c'est une guerre qui s'émousse un peu. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Et je pense que vous avez tous les deux raisons de souligner que ce qui est important, ce ne sont pas les différences entre les générations, mais les inégalités intra-générations, absolument sur tous les plans. Sur le plan financier, il y a des vieux riches, il y a des vieux pauvres, très pauvres. Il y a des jeunes qui sont riches parce qu'ils ont des parents qui payent les études, etc. Et il y a des jeunes qui galèrent de façon absolument dramatique. C'est vrai aussi en matière de santé. Il y a des inégalités majeures à l'intérieur des générations. Donc, est-ce que la clé n'est pas d'essayer de réduire un petit peu, comme on peut, ces différences intra-générations ? C'est peut-être juste une incise à ta question, mais sans y répondre. C'est, il y a des vieux riches, des vieux pauvres. Les vieux pauvres, c'est majoritairement des femmes. Hein, c'est 40% des femmes dans ce Absolument. Pays qui touchent moins de 850 euros par mois à la retraite, pour toutes les raisons qu'on te connaît, etc. Mais ça, c'est quand même nos mères, nos sœurs, nos tantes, les dames qui nous ont nourris quand on était bébé. Enfin, je ne veux pas jouer je veux pas vous. Mais il y a, sans pathos, c'est quand même un problème considérable. C'est un problème absolument considérable. Alors voilà. Ça, c'est une autre inégalité entre les hommes et les femmes. Oui. Tu as raison de le souligner. Bah oui. Parce que nous, les hommes, on a besoin de. Moi, juste, je voudrais te dire, François, c'est intéressant parce que l'autre jour, on fêtait les 50 ans d'une revue qui s'appelle Gérontosociété et on m'a demandé d'intervenir comme étant le plus vieux et ayant côtoyé Pierre Larocque. Et quand j'ai côtoyé Pierre Larocque, dans les années. Pierre Larocque, il est mort assez tardivement, hein, il est mort autour des années 90. Et Pierre Larocque, qui avait mis en place la politique vieillesse, qui, à mon avis, est une erreur, parce que c'est une stigmatisation. Pierre Larocque nous disait dans les années 80, j'aurais pas dû faire une politique spécifique vieillesse, j'aurais dû faire une politique courageuse de correction des inégalités sociales. Ah ben voilà. Bingo. Pierre Larocque. Bingo, mais c'était trop tard. 1980. Absolument. Il y a une question là-bas. Alors, je dis non. Et après, monsieur. Oui, bonjour et merci pour vos exposés. Bon, j'aime beaucoup Bourdieu, je précise. Enfin, néanmoins, moi, enfin, vous exposez poser un certain nombre de questions parce que, enfin, moi, j'entends ce que vous dites hein, sur les questions. Enfin, il n'y aurait pas de fracture de génération, etc. Enfin, pas de guerre de génération. Après, je pense que il y a aujourd'hui une question de à la fois de différence de point de vue et d'analyse entre ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. Ça l'a déjà été dit. Mais également, vous n'avez pas énormément parlé des questions de crise climatique qui aujourd'hui, pour moi, elles sont révélatrices aussi d'une vraie différence d'appréciation, enfin de temporalité. Entre les jeunes générations et les plus vieilles. Moi, je m'explique, je vais partir de mon cas personnel. Moi, j'ai des parents qui sont très conscients des questions climatiques, environnementales, etc. Enfin, j'ai été éduquée sur ces questions-là. Néanmoins, je me suis aperçue l'été dernier que mes parents n'avaient pas conscience qu'en fait, ils vivaient la crise climatique et qu'il y a des choses qu'ils sont en train de voir qu'ils n'avaient pas conscience de... les questions d'incendie de forêt, les températures, etc. Tout ce qu'on a vécu, les crises climatiques qu'on a vécues l'été dernier, ils n'avaient pas conscience qu'ils allaient les vivre de façon aussi violente et que ça allait être pour nous. Enfin, pour nous, encore moi j'ai 50 ans, mais en tout cas pour ceux qui allaient arriver plus tard. Et c'est cette crise. Enfin, je représente ici la CGT, donc ça ne vous étonnera pas ce que je vais dire après, mais. Cette question de crise environnementale, crise sociale, pour moi, c'est aujourd'hui une crise du capitalisme. Et en fait, je pense aussi que les jeunes générations ne reprochent pas aux plus anciens d'avoir mieux vécu, mais peut-être aussi d'avoir laissé faire pour qu'on arrive aujourd'hui à un essoufflement du système qui fait qu'à la fois les crises sociales et la crise environnementale, elles s'accentuent et on ne sait pas aujourd'hui comment l'enrayer.
Je pense qu'il y a des, en tout cas de ce que j'entends moi de mes neveux nièces qui sont encore très jeunes et pas forcément très politisées, mais il y a de ces choses-là, et c'est aussi des choses que j'ai, enfin qu'on a pu également vivre sur la crise climatique l'été dernier entre y compris mondialement les gens plus pauvres qui vivent les incendies, les inondations, et puis d'un autre côté les gens très riches qui prennent des jets privés pour des petites pour je fais Nice Paris alors que je pourrais prendre etc, le compte Twitter qui suivait Bernard Arnault dans ses déplacements, etc. Tout ce qui a pu exploser comme ça. Et je vais un peu dans votre sens. Je pense que la question, elle est au-delà d'un conflit de génération, elle est aussi pour moi dans comment aujourd'hui, sur ces questions de crise climatique, le féminisme, enfin pareil, vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes féministes, mais simplement, elles ne font pas du féminisme comme avant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elles disent la même chose, y compris d'en parler avec des camarades militantes qui aujourd'hui ont 60 ans, avec des nouvelles revendications et des choses dont on ne parlait pas, les congés menstruels, on n'en parlait pas avant syndicalement, et aujourd'hui ça vient en débat, par exemple. Donc il y a quand même des choses aussi qui évoluent, et qui pour moi quand même sont des choses générationnelles, et tant mieux, enfin il y a des avancées, mais qui ne sont pas forcément des conflits, mais qui font quand même avancer la réflexion collective. Donc, je me présente, Étienne Lotin, je suis consultant manager. Oui, j'ai une question, en fait. Il me semble qu'il y a un nombre significatif, mais je n'ai pas le pourcentage de jeunes en France et aussi en Europe, qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. À combien vous l'évaluez ? Est-ce que vous considérez que c'est une question d'importance ? Et est-ce que finalement, vous parlez de fracture, mais est-ce que ce n'est pas finalement une faille générationnelle ? Sinon, je peux parler plus fort. D'accord. Alors, il y a quelques points sur lesquels je voudrais votre avis ou donner le mien éventuellement. Je ne sais plus qui, je crois que c'est vous, mon voisin de gauche, qui avait dit que cette génération est dépressive. Bon. Alors, je dis pourquoi. Vous avez dit le télétravail, je n'y crois pas. Enfin, je n'accepte pas votre hypothèse. Le télétravail, c'est tout récent, et j'ai l'impression que la génération, si l'on peut parler de génération, voire votre camarade de gauche, là aussi la notion est un peu difficile, je ne pense pas que ce soit le télétravail. Je pense plutôt, et là je vais prendre l'exemple de ma famille, mes parents, comme beaucoup ici de parents, ont vécu la guerre. Ce n'était pas de la tarte, m'ont-ils dit. Et ce qu'ils m'ont dit également, et tous leurs amis, c'est qu'en 1945, ils se sont mis à reconstruire la France, parce que c'était un peu la panique. Voir l'Ukraine en ce moment, il y aura du boulot de reconstruction. Et donc, il y avait une époque qui était enthousiaste, m'ont-ils dit. Il y avait un enthousiasme général, je ne dis pas qu'il faut mettre une guerre, bien entendu, mais... Je ne sais pas pourquoi cet enthousiasme est un peu perdu. Rien que cet après-midi, j'ai sermonné un étudiant qui passe son Master 2 bientôt parce que son discours manquait de punch, d'enthousiasme. Quand vous parlez, vous deux, ça passe les ancêtres. Non, mais je veux dire, lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on s'intéresse à quelque chose dans la vie, on transmet de l'enthousiasme. Et je demande, et je pose la question, pourquoi justement cette bof génération, éventuellement, manque un peu de punch.
J'ai envie de dire. Oui, mais j'ai envie de dire justement les trois questions qu'on a eues sont totalement liées et elles sont totalement liées. Et vous avez totalement raison. La génération, elle est, c'est un abus de langage. Elle n'est pas dépressive à cause du télétravail. En fait, les études qu'on a, et alors là, bon, en économie, mais aussi en épidémiologie, montrent que ça a commencé un peu plus tôt. Et si ça a commencé plus tôt, on peut se demander si ce n'est pas sur cette espèce d'apocalypse annoncée et diffuse qu'est le climat que madame vous est, que vous évoquez et qu'on a évoqué. J'ai dit la perte du sens, le fait que... etc. Et ce qu'on a essayé de faire, en tout cas pour ma part, mais tu, je crois, et pas être très éloigné, c'est de dire, non mais attendez, il y a des solutions. Et ces solutions, elles passent d'abord par l'éducation. Et donc là, la question que vous posez sur les NEETs, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, etc., ben elle est fondamentale. C'est une question absolument centrale. C'est elle qui doit focaliser notre action et notre réflexion. Parce que soit on ne peut rien faire sur le climat, et donc ben, qu'est-ce qu'on ne fait rien, et puis on va se réfugier à la campagne, et on va passer à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Soit on décide de s'y mettre, c'est-à-dire évidemment changer de mode de production et changer ceci, pas forcément mettre le capitalisme par terre, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Ça va faire un peu trop coûteux quand même. Mais soit on... Non, mais on peut blaguer. Quoi. Mais on peut... Mais soit on s'y met et on trouve... Et ce qu'on dit, c'est que... Et la transition climatique ou énergétique, pour résumer les choses simplement, et la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement, demandent des investissements de long terme d'éducation qui sont considérables. Et que ces défis-là, ils sont de nature à créer à nouveau peut-être 30 glorieuses ou, comme on l'a connu après-guerre, parce qu'il y a un boulot qui est énorme, qui est gigantesque, sur lequel, mais on ne savait pas non plus au lendemain de la guerre ce qu'il fallait faire, hein, et sur lesquels personne ne sait très bien comment il faut faire, mais qui sont des défis qui sont colossaux. Et c'est en ça que moi, les histoires... un, d'éducation, deux, d'investissement à long terme avec les produits transgénérationnels, trois, de protection des familles par rapport aux drames que les uns et les autres peuvent vivre et de garantir l'éducation des enfants dans ces contextes-là, me paraissent prioritaires. Et donc, je trouve que les trois questions étaient en résonance. Peut-être pas en sympathie, mais en résonance. Alors, juste pour vous répondre. D'abord, moi, je reviens sur Bourdieu et sur Morin. La société est devenue d'une complexité que personne ne peut dire qu'il y comprend quelque chose, et surtout pas les sociologues. Moi, ça me frappe beaucoup. Pour reprendre, bon, je suis un sociologue marxiste, on va aller comme ça, hein, Nanterre, La Rouge, j'ai fait mes études à Nanterre. Je vais dire pourquoi. Il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une telle complexité que n'importe qui peut démontrer un peu ce qu'il veut, à condition de prendre les facteurs qui l'intéressent et d'oublier les facteurs qui ne l'intéressent pas. Et je pourrais citer nombre de mes copains sociologues qui ne se privent pas de faire ça. Hein, et notamment, je vais revenir, moi je ne suis pas d'accord sur la déprime des jeunes. Il se trouve que je suis enseignant en Master 2, à plusieurs endroits à la fois. Alors ok, les gens en Master 2, c'est pas... Et j'ai aussi des petits-enfants avec qui j'en discute. Je trouve extrêmement intéressant de voir d'où ça sort cette déprime des jeunes. J'aimerais savoir comment on a mesuré et qui a mesuré. Ça, c'est la question de toutes les enquêtes aujourd'hui. Moi, je trouve que dans beaucoup d'enquêtes, vous n'avez pas le protocole qui a servi à poser les questions. Vous n'avez pas le taux de non-réponse. Je suis désolé. Sur quel taux de réponse a-t-on ? Et ça, comme sociologue, je suis féroce. Et l'analyse en termes de génération, elle a essentiellement servi à masquer l'analyse en termes de classe sociale. Je suis désolé. Les classes sociales, ça existe. À un moment donné, on ne parlait plus, je pense à De Gaulle-Jacques, on ne parlait plus de classe sociale, mais de place. Et l'analyse de génération est venue masquer, pour moi, c'est un écran, au sens sociologue. Les classes sociales, ça existe dans toutes les générations. Vous avez cité les femmes. Le travail sur les retraites nous a rappelé qu'il y avait 5 millions de femmes qui vivaient avec 1 000 euros par mois. C'est Ruffin qui a raconté ça l'autre jour. Excusez-moi de mes références. Mais voilà, 5 millions de personnes qui vivent avec 1 000 euros par mois. Il a fallu tout le débat sur les retraites pour que ça ressorte. Donc, premièrement, je me méfie toujours d'un phénomène qu'on met en avance. La société est tellement multifactorielle
et on peut interroger toutes les enquêtes sociologiques. Et moi, j'insiste, hein, moi, je veux dans les enquêtes voir le protocole. Est-ce que vous avez fait l'enquête par Internet? Est-ce que vous avez fait l'enquête par téléphone? Est-ce que vous avez fait l'enquête en face à face? Comment vous avez posé vos questions? Alors là, je peux vous dire qu'on n'arrête pas. Et beaucoup d'enquêtes sociologiques, c'est le sondage à la truc. Est-ce que, comme disait Bourdieu, hein, est-ce que vous êtes pour ou comme disait Bourdieu, on amène les gens à répondre à des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Ah non, mais lisez La Fabrique de l'opinion publique, bon Dieu, hein, moi je fais dire ça à tous mes étudiants. Bon, ça c'est le coup de gueule parce que je trouve. Ce que vous dites sur les gens qui sont ni en emploi ni en études, c'est un terme anglais très... Quand vous regardez la comparaison France-Allemagne, qui est très critique, d'abord, on ne parle pas des mêmes choses. Mais vous avez une très grande... Vous avez un chiffre beaucoup moins important en Allemagne à cause de quoi ? À cause de l'apprentissage. Parce que les Allemands, ils ne se précipitent pas tous à l'université. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a un étudiant sur quatre qui va finir ses études à l'université. Il y en a trois sur quatre qui ne vont pas finir leurs études. Et il y en a un sur deux qui abandonne au bout de la deuxième année. Ce qui pose quand même, comme tu dis, des problèmes d'éducation. Et ça pose non seulement des problèmes d'éducation, mais ça pose des problèmes. Écoutez, mes étudiants de Master 2, quand je vois aujourd'hui Bac plus 5, quand je vois comment ils raisonnent, comment ils... Je vous passe les fautes d'orthographe et les fautes de français. Alors, je vais parler comme un vieux, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout au niveau du collège et du lycée. Comment se fait-il que des gamins sortent avec le bac, avec des lacunes énormes, et mes étudiants me disent, monsieur, vous savez, ce qu'on ne nous a jamais appris, c'est avoir une lecture critique de ce qu'on nous raconte. Une lecture critique. Comment tu te repères comme citoyen dans la vie devant un déferlement? Qui peut m'expliquer le bordel qu'il y a eu sur les retraites? Qui peut m'expliquer l'article 40, l'article 47.1, l'article 49.3? J'ai essayé de suivre ça de très très près. Hein. Si tu ne connais pas la Constitution par cœur, qu'est-ce que tu comprends à ce qui se passe? Et ça veut dire que je reviens sur Morin, la complexité est telle aujourd'hui qu'elle fait le lit des approximations et des simplismes. Et excusez-moi, mais il y a des gens qui sont prêts, du populisme, parce qu'effectivement, les gens qui proposent une explication, quant à dire que les jeunes sont, moi je ne sais pas, quand je travaille avec mes étudiants ou avec mes petits-enfants, ils ne voient pas la vie comme moi. Là, j'ai un petit-fils qui est dans une école d'hôtellerie sur une péniche, là en face d'Austerlitz. Thomas, que je vais retrouver ce soir, il est passionné par son boulot. Il veut diriger, OK, il veut diriger les paquebots, il veut diriger les hôtels sur les paquebots, il veut diriger un 5 étoiles. Ma petite fille qui a fait une école d'art graphique, eh ben, elle ne veut pas de boulot pour l'instant, mais elle s'est fait embaucher au musée d'Orsay pour accueillir les visiteurs. Ça veut dire, je travaille beaucoup sur les questions d'habitat inclusif, hein, d'habitat participatif. Je peux vous dire qu'il y a plein de gens jeunes qui bénévolement se sont mis dans des choses comme ça, ont créé des choses localement sans faire de bruit. Hein, et effectivement, les solidarités locales, et je vais revenir sur la famille, les solidarités locales, ça marche. Sauf que les gens ne font pas la une de la télévision, ils ne vont pas dire ce qu'ils font, ils font le truc dans leur coin, tranquille, et ils en vivent très bien. Je refuse cet aspect dépressif aujourd'hui du monde social, je le refuse absolument. Alors bien sûr, les gens qui font appel à moi, c'est les déjantés, c'est les gens qui ont envie d'inventer tout ça. Mais il y en a plein. Moi, je connais plein de gens. Je connais un jeune couple là, dans une petite ville à côté d'Angers. Vanessa était à famille rurale. Ils se sont rendus compte que les personnes du petit village, elles s'en allaient à l'EHPAD à 40 km et que tout était foutu. Et avec son mari bénévolement, ils ont réhabilité une longère pendant 5 ans. Ils y ont mis 4 personnes du village qui sont dans un domicile collectif, chacun son truc. Et ces gens, elles leur évitent pour l'instant l'entrée en EHPAD. Et des choses comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Donc moi, je ne suis pas pessimiste aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, devant les problèmes, on sera capable de trouver les solutions. Et avec les gamins, on a des discussions passionnantes. Ils ne nous reprochent plus. Hein. Bon, je le rappelle quand même que la croissance zéro du Club de Rome, c'est 1981. Hein. Faut quand même pas déconner. Hein. Bon, voilà, on n'est quand même pas… Voilà, je le rappelle qu'effectivement. Et qu'aujourd'hui, ce que vous disiez… Alors, j'ai lu un sondage l'autre jour que j'ai pris avec des pincettes. Les jeunes sont très écologistes, mais quand il s'agit d'eux, ils ne rechignent pas à prendre l'avion, surtout quand il est 3 fois moins cher que le train. Eh ben oui. Regardez les prix de la SNCF et vous avez plutôt intérêt à prendre l'avion pour aller que de prendre le train. Moi, je réfute cette idée qu'il y aurait aujourd'hui. Je pense qu'on est.
on est dans une... Oui, c'est un paradoxe. On est dans une fin de cycle et on redémarre un cycle. Alors, est-ce qu'on est là? On est en bas, hein? Mais est-ce qu'on est en bas en descendant ou est-ce qu'on est en bas en remontant? Moi, je fais l'hypothèse qu'on est en bas en remontant. On appelle ça une épicycloïde en mathématiques. Formidable. Très bien, bravo. Pour ce message d'espoir. Ben oui. Michel, alors, après, on prend trois questions, madame et monsieur. Michel Chassan, je suis médecin et je suis membre du CESE, conseiller. Et je suis vice-président. Et je suis membre de la commission des affaires sociales et de la santé, et je viens d'être rapporteur d'un avis sur la prévention de la perte d'autonomie liée au vieillissement, que j'invite à lire si vous avez quelques minutes. Non, j'ai trois remarques. C'est plus des remarques que des questions. C'est à la fois les deux. Sur ce que vous avez d'abord, j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, mais tout ce que vous avez dit. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas exagérer sur la notion fossé intergénérationnel. Il y a beaucoup plus de différences en intragénérationnel qu'en intergénérationnel. Tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est en fait la lutte contre les inégalités qui est certainement prioritaire par rapport au reste. Je suis parfaitement d'accord. Mais s'agissant du conflit intergénérationnel que vous avez évoqué, en l'évacuant quelque part, il est certes peut-être artificiel, mais il existe quand même. Et il a un côté positif, ne serait-ce que dans la mesure où il aide à la construction de la personne. C'est-à-dire que tous, on se construit en opposition par rapport à nos parents, par rapport à l'autorité, par rapport à un certain nombre de choses. Alors, je veux pas, c'est évidemment beaucoup plus prégnant dans l'adolescence, mais l'adolescence parfois dure un peu, puis c'est pour certains d'ailleurs, l'adolescence n'en finit pas. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais quand même, ça a aussi un côté positif qui convient de ne pas stigmatiser trop, hein. C'est-à-dire que c'est quand même du bon qu'il y ait une espèce de conflit intergénérationnel, ne serait-ce qu'entre parents et enfants, qui permet donc de se construire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure ma présidente sur le sujet des évolutions sociétales. Il y a des évolutions sociétales qui induisent par elles-mêmes des conflits intergénérationnels. Moi, tous les jours, hein, que ce soit la pilule, que ce soit la contraception, l'IVG, les notions de divorce, hein, souvent d'ailleurs ces évolutions sociétales qui touchent donc à la famille, aux piliers de la famille, aux relations sociétales, etc., ont des conséquences directes et parfois induisent cela. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, peu importe, mais c'est des choses qui existent. Et elles existent aussi en intergénérationnel, en intragénérationnel, on est parfaitement d'accord, mais elles sont peut-être plus marquées en intergénérationnel. Ce qui fait dire à certains, de mon temps, c'était beaucoup mieux que maintenant. Enfin bon, qui n'a pas dit cette phrase, et moi en premier d'ailleurs, vis-à-vis de mes propres enfants ou petits-enfants. Et troisième notion, vous avez dit, la famille reproduit les inégalités. C'est une phrase qui est lourde. Elle est certainement vraie, mais elle n'est pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y a, Dieu merci, quelques exceptions, qui fait que parfois il y a quand même la notion d'ascenseur social existe. Hein. Il y a, c'est pas parce qu'on est né dans une classe sociale que pour autant on y reste forcément de génération en génération. Enfin, les exemples sont extrêmement nombreux et qui montrent que c'est pas toujours vrai. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai, ce qui laisse à penser qu'il y aurait quand même d'autres déterminants qui rentreraient en ligne de compte que la famille, précisément, pour justement influer, ne serait-ce que peut-être son patrimoine génétique, les hasards des rencontres, que sais-je, la chance, enfin bon, on peut imaginer plein de facteurs et de déterminants qui influent, évidemment. Voilà, ces trois remarques par rapport à ce que vous avez dit. Bonsoir à toutes dans votre... Ouais, je suis loin, excusez-moi. Alors, non, ça va aller. Bonsoir à tous, en vos titres, en vos grades et en vos qualités. Alors, merci infiniment. Merci d'avoir nourri, de nous avoir nourris d'une certaine façon par vos réflexions et vos travaux. Moi, j'avais quelques remarques. La première, on est en permanence, et c'est vous disiez si justement, en train d'opposer les mondes. Et
et au final, on est, et je rejoins ce que vous avez dit précédemment, on se nourrit aussi de nos différences. La différence, c'est ce qui crée d'une certaine façon toutes ces richesses. Et en fonction de nos milieux sociaux et sociétaux, bien évidemment, que nos marqueurs seront un peu différents. Il y a également, je voudrais revenir sur la notion pas de transition écologique sans transition économique, bien évidemment. On ne pourra pas réussir l'un sans l'autre. Donc, au final, c'est tout un monde, enfin, tout un système à repenser. Et je pense qu'il faut y aller maintenant, parce qu'il est vrai qu'il y aura des impacts. Alors, même si je suis quelqu'un de très optimiste, il y aura vraiment des impacts sur les générations à venir. Je voudrais revenir également sur la confusion, selon moi, entre l'éducation et l'instruction. Pour moi, ce n'est pas la même chose. On éduque. Moi, j'éduque mes enfants. Et l'instruction en revient aux sachants. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement redéfinir déjà dans un premier temps ces deux concepts, avant d'aller sur le reste. Puisque je pense que ça a, quoi qu'il en soit, des conséquences plus ou moins directes sur nos façons de penser, et sur ce qui nous est enseigné et légué, et sur ce qui est des messages également portés. Et puis, je voudrais, alors, pour en finir avec tout ce qui est transition éco, pour moi, il y a des biens communs. Et je pense qu'il faudrait aussi s'attarder à redéfinir ce que sont nos biens communs. L'eau et l'électricité. Et là, c'est une horizoniste qui vous parle. Mais je pense que, pour moi, ce sont des concepts qu'on doit absolument redéfinir actuellement. Et la dernière, j'aurais voulu avoir votre avis sur le revenu universel national. Parce que je pense qu'on l'a oublié. Et je, à mon sens, et je me nourrissais, enfin, dernièrement, je nourrissais ma réflexion propre et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas le mettre en place ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas le mettre en place ? Puisque au niveau de l'équité et de l'égalité, ça réduirait quoi qu'il en soit. Et ça répondrait, alors même si j'entends qu'il doit y avoir aussi, à mon avis, enfin, ça occasionnera bien évidemment d'autres pas déviances, mais d'autres façons de faire, parce que tout système a ses limites. Comment se fait-il qu'on n'aille pas dans ce sens au niveau des travaux ? Excusez-moi. Non ? Tim, hein ? Monsieur. Vous m'entendez ? Ça marche ? Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir en fait à l'Europe. Quand Van der Leyen a été désignée, elle a fixé trois objectifs. Le premier, c'était le climat. Le deuxième, c'était le numérique. Et le troisième, c'était la transition démographique. Je vais peut-être changer parce que je ne peux pas vous regarder. C'est très agréable pour moi. Sur la transition démographique, par contre, ça n'est pas traité. Je pense que c'est très dommageable parce que la démographie, c'est un point clé de toutes les sociétés, quelle que soit la société dans laquelle on vit. Et je pense que ça a été évoqué par les deux interventions qu'on a pu avoir précédemment et que je remercie. Alors, sur la question elle-même de l'âge, je crois qu'il faut relativiser les choses. Quand j'avais 20 ans, l'homme que j'admirais le plus, c'était Bertrand Russell. Il avait 92 ans. On avait 72 ans d'écart. Aujourd'hui, c'est à peu près l'âge que j'ai. Enfin, j'ai un peu des pudeurs de jeune fille en disant ça, mais c'est à peu près là où je me situe. Donc, ce problème de l'âge, il est extrêmement relatif. Il y a des vieux jeunes, il y a des jeunes vieux. Alors maintenant, si on en vient aux jeunes, je pense qu'effectivement, les jeunes sont plus fragiles aujourd'hui que ça a été le cas dans le passé. Le terme de burn-out, c'est quand même nouveau, ça vient de sortir. Enfin, ce n'est pas absolument récent, mais ce n'est quand même pas très ancien. Ça a été officialisé. Bon. C'est quand même pas... Alors, en tout cas, ces jeunes, je pense qu'ils ont un boulevard pour eux. Ils ont des opportunités absolument extraordinaires. Ces opportunités sont mondiales. Ils ont des possibilités de formation. Moi, à mon époque, il y avait peut-être 6% d'une génération qui avait le baccalauréat.
Alors là, on le donne à 80% et malheureusement, ça ne vaut plus grand-chose. Ça, c'est certain. Donc, on va peut-être revenir à ça parce que l'éducation, c'est effectivement le point clé qui permettra de réussir ou pas. Alors, ça permettra de réussir ou pas parce que déjà, on n'a pas parlé directement, mais si on parle de ChatGPT, ChatGPT, c'est magnifique. Ça va aider les gens à condition qu'on sache s'en servir. Donc, il faut apprendre aux gens à s'en servir, développer l'esprit critique. C'est-à-dire, on dit quelque chose à quelqu'un et il se pose la question, est-ce que ce qu'on me dit, ça a un sens, ça n'a pas de sens? Comment est-ce que je dois l'interpréter? Bon, c'est ça qui constitue la clé de notre futur. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui prend une importance, je pense, plus importante que dans le passé. Voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, je voudrais... Comme l'heure avance, beaucoup d'ailleurs, nous donner en fin de votre intervention ce que vous avez envie qu'on retienne pour la soirée. Je voudrais revenir sur la notion de conflit. Sur la notion de conflit, vous parlez de conflits intergénérationnels, bien sûr, mais il y a plein de conflits et heureusement qu'il y a des conflits. J'étais donc hier jury, j'étais dans la soutenance de master de mes M2, là, qui sont la plupart des internes. Et une jeune interne en réanimation a fait son mémoire sur le consultant extérieur dans la délibération collégiale. Est-ce qu'il faut obtenir un consensus? Ou est-ce que, et vous savez qu'en dernière instance, c'est le médecin chef de service qui tranche, et je vous renvoie à Chantal Mouffe, philosophe belge, sur l'éloge du dissensus, ça veut dire l'illusion du consensus. Comme dit Norbert Elias, comment se fait-il qu'on arrive à prendre des décisions qui ne satisfont personne? Parce qu'il faut arriver à un consensus. Heureusement qu'il y a conflit, mais je ne vois pas pourquoi on parlerait. Il y a des conflits entre les générations, oui, mais ce n'est peut-être pas les plus importants. Il y a des conflits dans les familles, il y a des conflits dans les entreprises, et heureusement. Donc, l'antagonisme, hein, l'agonisme, l'antagonisme, et justement, alors, j'ai lu cette jeune médecin m'a fait lire un sociologue que je ne connaissais pas bien, qui s'appelle Urfalino. Urfalino Philippe, il vient de faire un bouquin en 2021 sur comment on prend une décision ensemble. C'est quand même une très, très bonne question. Comment on prend une décision ensemble. Et je vous invite à lire l'illusion du consensus de Chantal Mouffe qui dit qu'il faut réhabiliter les antagonismes. Il y a des antagonismes et qui sont positifs, et il y a des antagonismes dans lesquels l'antagonisme sur les retraites, il aurait pu être traité de façon beaucoup plus intelligente qu'il n'a été. Mais il y avait un antagonisme. Moi, je regrette qu'on n'ait pas mis un médiateur, par exemple, tout simplement. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas réussi à mettre un médiateur. Et si vous voulez, cette jeune femme qui a eu 18 à son moment, on m'a mis les notes tout à l'heure, elle m'a appris plein de choses, premièrement sur le rôle du consultant extérieur, qui est très mal défini, puisque ça doit être un médecin, alors qu'à mon avis, si tu n'es pas extérieur au mode de pensée médical, c'est difficile d'aller contre un avis médical. Eh bien oui, hein, ça pose des problèmes du tiers extérieur dans la collégialité, hein, je me suis servi beaucoup de ça. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on exacerberait le conflit en intergénérationnel? Mais Bourdieu écrit très bien, notamment dans une France rurale. Si vous regardez l'histoire, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dans une France rurale du 18e, 19e siècle, les enfants attendaient que les parents meurent pour avoir la terre. Eh bien, par moments, on précipitait un peu le mouvement. Vous savez ça comme moi? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y avait qu'une terre et il fallait que... Bon, Et que quand les parents n'étaient plus capables de subvenir à eux-mêmes, ils étaient foutus à l'hospice. Relisez toute l'histoire du 19e, 18e siècle. Par rapport à ce que vous dites sur les biens communs, moi je vous conseille de lire Rosan Vallon, La société des égaux, singularité. Il appelle, et Rosan Vallon parle d'une singularité d'universalité. Je trouve ça très intéressant. Comme dit Elias, je peux être à la fois individu singulier et individu collectif. La société des individus, Norbert Elias, à lire absolument. La société des égaux de Rosan Vallon. Rosan Vallon a aussi fait un très bon bouquin qui s'appelle Les épreuves de la vie, en essayant d'analyser qu'est-ce qui s'était passé à travers les gilets jaunes sur les différentes sortes de mépris. C'est génial. Le mépris des élites. Le mépris des élites en France, hein? Ça, il faut absolument lire ça. Et c'est aussi, excusez-moi, c'est Rosan Vallon qui a parlé de déni démocratique. Hein. Bon, je cite mes sources.
Voilà. Moi, alors, quant à la transition démographique, je suis désolé, mais la transition démographique, elle n'existe pas. Elle a commencé au XVIIIe siècle. J'ai écrit un article là-dessus sur LinkedIn. On nous prend la tête avec la transition démographique des années 2030-2040 en faisant des schémas sur l'espérance de vie qui sont faux. Parce que l'espérance de vie, quand vous regardez aujourd'hui, je pense à Jean-David Zeitoun, le médecin qui a fait l'espérance de vie, elle est en train de stagner. Et mes copains avec qui je travaille, mes copains de l'INSERM, me disent que l'espérance de vie, elle a reculé de 2 ans aux États-Unis, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc, la transition démographique, il y a un rapport qui a été fait pour Beyrouth, que j'ai cartonné, parce que les projections 2040-2050, elles sont apocalyptiques, elles sont fausses. Et il y a, aujourd'hui, moi je suis un spécialiste de la perte d'autonomie, j'ai fait mon habilitation là-dessus. Aujourd'hui, dresse septembre 2022, l'espérance de vie sans incapacité continue à progresser plus vite que l'espérance de vie. Ça veut dire que la durée de vie en incapacité, elle se réduit. C'est les chiffres de santé publique, l'adresse 2022, lisez ça. Donc la transition, la phobie démographique, comme j'ai dit en France, qui existe depuis qu'on a perdu la guerre contre la Prusse, la France est phobique de la démographie. Non, mais c'est vrai. Regardez les historiens, regardez comment il s'appelle, Bourdelais, l'âge de la vieillesse. Lisez Élise Feller, du vieillard au retraité. Et Sauvy, en 1928, il écrit que la France va devenir un hospice de vieillards et la natalité a repris en 1942 contre toutes les prévisions. Si ce n'est pas de l'optimiste, voilà. Alors, je peux... Oui, moi aussi, j'ai envie de dire que ça a été inventé. Si tu m'excuses, 2 minutes. C'est un concept qui a été inventé par Landry. Donc, ça date des années 20, des années 30. Et c'est juste le constat que dans les sociétés humaines, à un moment donné, il y a une augmentation du vieillissement qui est manifeste. C'est un constat. C'est-à-dire que, alors, les Japonais l'ont connu avant nous, l'Afrique le connaîtra plus tard, etc. Là où tu as raison, c'est que ce n'est pas un absolu. C'est-à-dire que avoir 90 ans aujourd'hui, ce n'est pas avoir 90 ans il y a un siècle. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très inconfortable avec cette idée. Et ça, je te rejoins totalement. Sur la famille, c'est vous, monsieur, qui avez dit. Bien sûr, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que la famille est aussi un lieu de promotion sociale. Elle est un lieu aussi d'assujettissement et d'aliénation des enfants. Et vous avez raison de dire on ne se pose qu'en s'opposant. C'est ce qu'on a mentionné tous les deux. Et que donc l'évolution des générations doit quand même faire montre d'une certaine dynamique, parce que sinon c'est vraiment épuisant. Et d'ailleurs, on peut dire, sans exagérer, mais je ne connais pas très bien, mais qu'avant mai 68, si ça a explosé, c'est parce que c'était particulièrement étouffant juste avant quand même, et qu'il y avait besoin d'un coup d'accélération et d'ouvrir la fenêtre, et que c'est ça qui a été une bonne nouvelle. Sur l'éducation et l'instruction, je crois que vous touchez un point qui est essentiel. Je ne suis pas assez calé pour mais ça me paraît évident que vous touchez un point qui est essentiel. Et je ne sais pas qui aujourd'hui pourra nous aider à réinventer les sciences de l'éducation et la pédagogie par rapport aux très nombreux défis qui seraient notre. Et là, on a besoin de beaucoup d'intelligence. Et on a besoin d'un type beaucoup plus malin que moi, en tout cas. Sur le revenu universel et le bien commun, alors je ne vais pas citer de grand auteur, je vais citer un auteur très modeste, qui est ma pomme. J'ai écrit un petit livre qui était sur le prix unique de la vie humaine. Je me suis passionné à me dire, j'ai appelé ça de la finance-fiction. Et l'idée, c'était de dire, mais si on imagine, parce que alors, la vie n'a pas de prix, etc. Enfin, on connaît tous le débat métaphysique, etc. En pratique, elle a un prix. C'est-à-dire que le prix d'un petit Burkinabé aujourd'hui, ce n'est pas le prix d'un petit Français. Et voilà. Donc, et c'est comme ça, c'est une réalité pratique. Et, bon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait? J'ai appelé ça finance-fiction, si on décidait qu'il y avait un prix unique de la vie humaine, indépendamment de l'âge, du sexe, de la religion, de la race, des trottoirs de Manille, ou trottoirs du 16e, j'en sais rien, enfin, comme on veut. Et moi je suis très pour un revenu universel. Comme c'est un thème qu'on n'arrive pas à faire aboutir, et comme vous m'avez demandé, Madame la Présidente, les 3 choses à retenir de mon point de vue, et au risque de lasser l'assistance, je vais répéter,
de la prévoyance, qui anticipe le revenu universel, parce qu'une prévoyance, enfin bon, vous avez compris, je ne vais pas développer, de l'éducation, et c'est bien votre point sur éducation et instruction, et de l'investissement à long terme, si possible transgénérationnel, qui d'ailleurs donne à sa famille toute sa, même dans son côté de transmission des valeurs, donne toute sa noblesse. Je vous remercie. Merci. Bon, moi, je reprends quand même sur la transition démographique. J'ai de bonnes raisons parce que je suis administrateur de Hedge Platform Europe, c'est un des points qu'on traite. Le problème, l'accroissement de longévité, c'est un bien, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ceci étant dit, il y a un certain nombre de modifications que ça implique dans les systèmes à l'intérieur desquels on vit, et il faut que l'on fasse évoluer les systèmes de telle sorte qu'on profite pleinement de cet accroissement de la longévité. C'est d'ailleurs un travail magnifique qui est fait par la chaire de transition démographique, transition économique, dont tu es membre, et qui a travaillé sur différents systèmes. Et je pense qu'il faut continuer, parce que malheureusement, on ne travaille pas suffisamment sur ces systèmes. Et s'il y a des hiatus après dans la société, on va les payer, alors que si on les a préparés, eh ben on n'en tirera que les bénéfices. Merci. Et donc, je vais rajouter en guise de conclusion que nous aussi, dans cette maison du temps long, parce que le Conseil économique, c'est ça à l'origine, nous avons beaucoup d'avis qui ont traversé les réflexions de ce soir, un certain nombre, donc je vous invite à les regarder si vous voulez. Et la réflexion de ce soir est bien complémentaire avec celle de l'ensemble des conseillers du Conseil économique, et je pense qu'on aurait plus à faire valoir ce type de réunion. Et donc, je vous remercie beaucoup pour tout le monde, pour d'abord, messieurs, pour vos exposés, qui effectivement sont indispensable pour un peu cadrer aussi les choses, parce que on sait que on a vite fait de partir dans un sens et pas forcément de voir l'ensemble des problématiques. Donc effectivement, merci beaucoup, merci pour vos débats, pour vos questions qui vont aussi dans le même sens, et je me fais plaisir sur le revenu universel. Nous avons fait un avis en 2017 de grande qualité, forcément, puisque c'est moi qui l'ai porté. Et vous voyez, tous les jours encore, on le remet sur le tapis et la construction, elle va s'avérer longue, mais moi, je ne désespère pas sur le sujet. Donc, voilà, donc nous retrouverons dans ce format-là le 12 septembre pour la question de l'habitat. Voilà, un sujet aussi qui est mobilité, un sujet qui concerne donc les générations qui avancent en âge. Et ensuite, en novembre, on parlera de la sédentarité des activités physiques. On a essayé de faire, avec le docteur Aquino, des blocs de discussion. Voilà. Bonne soirée à tous. Vous mettez les badges là, dans le petit carton qui est sur la chaise, là, à l'angle. Et on ne vous a pas fait le coup de vous ramasser vos pièces d'identité. Donc, tout va bien. Vous avez vos pièces d'identité? Non, j'espère que non. Hein. Merci beaucoup et on peut vous applaudir. Ça vous convient? Parfait.